l'équipe à l'Autodrome. On vous souhaite un très bon spectacle. Voici les Spring Cars de la série Empire Super Sprints. Let's get ready to rumble. On s'en va aux courses. Let's go in green. Dans le virage numéro 3 et 4, Alain Bergeron en tête pour le départ. 25 tours. On est prêt pour le vert. Et voilà, c'est parti. On roule en Spring Car. Beaucoup de problèmes au départ pour Bergeron. Tout le monde a réussi à l'éviter. Et c'est parti pour Sean Donnett à l'avant. Conserve les commandes. Loin devant Poirier. Virage numéro 3 et 4. Donnett le meilleur. Après un tour. Poirier. Suivi de Chad Miller, Matt Tanner et Alex Vigneault à l'extérieur. Vigneault est extrêmement rapide au large. De Tanner. Donnett s'échappe en avant. Deux tours de complété pour Sean Donnett et Alex Vigneault avec une superbe manœuvre à l'extérieur. Quelle manœuvre de Vigneault pour la quatrième place. Que ça roule, c'est spectaculaire. Et quelle vitesse pour Alex Vigneault. Vigneault à l'extérieur, le Miller, il a touché la roue arrière droite. Mais Vigneault à l'extérieur, le gaz au fond, virage numéro 4. Troisième présentement, Vigneault à la poursuite de Poirier. Vigneault en fait tout un spectacle en début d'épreuve. Donnett va arriver dans le trafic au quatrième tour. 21 à faire en Spring Car. Donnett le meneur. Poirier, Vigneault, Miller, Tanner, Golick et Kenny. Donnett revient dans le trafic avec Steve Poirier à sa poursuite. Un peu d'ennui pour Donnett. Poirier accélère le rythme derrière lui. 5 tours de complété. Fin à faire pour Sean Donnett. Des problèmes pour Poirier dans le trafic. On surveille Alex Vigneault. Vigneault qui travaille, qui revient au départ de Poirier. Vigneault s'en va loin au large. High on the outside. Alex Vigneault dans le trafic. Quel spectacle de la part de Vigneault. Vigneault travaille à l'intérieur. Se rapproche de Poirier pour la deuxième position. Problème au champ d'Holcombe qui va rentrer à l'intérieur. On poursuit. Donnett le meilleur. Il va arriver un septième passage pour l'Américain. Coleman Golick également travaille le trafic. 3 dans 3 wide à la sortie du virage numéro 4. Coleman Golick maintenant quatrième dans le trafic. Ça va très, très, très rapidement. Golick va ressortir à l'intérieur. What a show! Alors qu'à l'extérieur, virage numéro 4, on surveille Alex Vigneault à la poursuite de Poirier. Vigneault extrêmement rapide maintenant dans le pare-choc arrière de Poirier. Vigneault high on the outside. Et attention dans le mur. Alex Vigneault a écrasé le mur. Il repart. Avec beaucoup de retard cependant, troisième place. Donnett dans le trafic a des ennuis. Poirier tente de rétrécir le quart. Mais Donnett continue de rouler un train d'enfer à l'avant. Vigneault sauve les meubles, il reprend le gaz. Vers l'intérieur, Coleman Golick se rapproche de la troisième place. Poirier continue de rouler avec vitesse, un dixième tour. Pour Sean Donnett, 15 à faire. Encore un peu de problème pour Vigneault, il ouvre la porte. Golick maintenant troisième. Ça va très, très, très rapidement présentement. Et Vigneault de la misère à garder le rythme. Un peu déconcentré, le jeune de Trois-Rivières. Donnett roule un terrain d'enfer et Poirier n'est pas en mesure de rétrécir le cas. Golick à sa poursuite. Voilà Miller qui est au chômeur. En tentant de passer Vigneault à l'intérieur. Alex Vigneault reprend l'ascendant au large. Il va tasser le retardataire Yann Bilodeau. Ça roule très vite. Donnett au 12e passage alors que il y a des ennuis, c'est Yann Bilodeau, il est en mesure de gagner les prix. On poursuit. Donnett a une avance de 1,5 secondes sur Steve Poirier. Coleman Golick maintenant vers l'extérieur, tente de rétrécir le quart au départ de Poirier, le voilà. Golick est très rapide derrière Poirier. Dans le trafic, Poirier doit se méfier. Golick, tout près, derrière lui. Quelle vitesse en piste pour Sean Donnett. Une clinique de pilotage. Au 14e passage pour Donnett. Oh, attention, Golick à l'intérieur. Slide job. Poirier réussit à passer. Crevaison. Crevaison pour Golick. En touchant Poirier, crevaison. Oh! Voyons voir si Poirier a des ennuis, mais Golick, en tentant un slide job, a raté son coup. A touché à la voiture 28 FM de Poirier. Crevaison arrière pour Coleman Golick. Flat tire, right rear tire for the 14 of Coleman Golick, who tried a slide job on Steve Poirier, missed the shot, and blew a tire.
On retourne aux courses. À deux larges. Double file restart, Sean Donnett. 11 tours à faire, 11 laps to go. On est reparti. Donnett qui donne la relance et c'est reparti en sprint car. Bonne relance de la part de Donnett devant Poirier. Matt Tanner veut se faufiler devant. Vigneault, ça fonctionne. Vigneault recule quatrième devant Matt Billings, maintenant dans le top 5. Sean Donnett, le meneur, 10 tours à faire. Oh, il vient de sauter le moteur! Sean Donnett vient de passer au travers. Et Poirier devient le nouveau meneur de la course. Quel revirement de situation. Sean Donnett qui vient de passer au travers de la machine. Le moteur de Sean Donnett qui rend l'âme. Oh là là, quel revirement de situation incroyable dans cette course. Et la porte s'ouvre pour Steve Poirier. Fireball Poirier qui, depuis le début de la course, n'a absolument rien pour embêter Sean Donnett. Mais il semble que le moteur était à la fin de sa vie utile. On a étiré le plus possible, c'était le dernier souffle de ce moteur. Et Sean Donnett qui rend l'âme avec 11 tours à faire. Numéro 3 et 4, on surveille la boule de feu de Saint-Mathieu-de-Belleuil, Steve Poirier, pour la relance. Et voilà, sévère pour Poirier. Matt Tanner se présente à l'intérieur, il en manque, Poirier conserve les commandes et une excellente sortie de virage numéro 2. Look at the fireball. Turn number 3 and 4. 15 laps in the box, 10 to go. 10 à faire pour Poirier. Matt Tanner est deuxième, Alex Vigneault au troisième rang, Chad Miller et Matt Billings en cinquième place. La porte s'ouvre pour Poirier. 9 à faire en quinte de sa 10e en carrière ici. Poirier continue de rouler à plein régime sur le circuit. Matt Tanner est loin derrière. Poirier met tout ce qu'il a pour garder son avant. Oh, des problèmes pour une voiture arrêtée, le virage numéro 4. La voiture numéro 88X de Raymond Sitterly. Arrêtée, virage numéro 4, c'est ça, jaune. Huit tours à faire, 8 laps to go. Poirier pour le lieu de départ, virage numéro 3 et 4. La boule de feu, prêt à partir. Et voilà, sévère, reparti pour Poirier. Poirier choisit la bonne trajectoire. Et voilà, tentative, Alex Vigneault à l'intérieur. Bonne manœuvre de la part de Vigneault. Il est tout prêt, n'a pas été en mesure de passer. Tanner demeure deuxième. Vigneault au troisième rang. Et derrière en bagarre, Chad Miller et également Paul Kelly. Poirier seul en avant. Tanner qui tente de maintenir le rythme alors que Vigneault a des ennuis encore dans le virage numéro 2, perd du rythme. Et voilà Kenny qui se rapproche de plus en plus en troisième place sur le podium. Poirier devant Tanner et Vigneault derrière. Quelle bagarre! Matt Billings maintenant qui vient réussir à s'embarrer de la cinquième place. Vigneault beaucoup mieux maintenant dans le virage numéro 2. Ça lui permet de prendre un peu de rythme. Gourlick maintenant de retour dans le top 10. 5 tours à faire, 5 laps to go pour Steve Poirier. Poirier conserve un rythme efférent à l'avant avec 4 tours à faire. Tanner loin derrière et Alex Vigneault s'accroche à la 3e marche du podium. Poirier maintenant plus d'ennui dans le trafic. Dernière tentative peut-être pour Tanner. Alors que Poirier doit changer de ligne quelque peu. Tanner va tenter de reprendre du rythme, c'est raté. Et voilà Poirier qui reprend beaucoup de momentum. À l'entrée du virage 3 et 4, il reprend toute l'avance. 2 tours à faire. 2 laps to go for the 28 FM of Fireball, Steve Poirier. Et voilà, Poirier, une dernière fois. Drapeau blanc, last lap, dernier tour.
Tanner est loin derrière et Alex Vigneault a mis hors de tonner. Paul Kenny en quatrième place. Poirier en route vers la victoire. Le voilà dans le virage numéro 3 et 4. Celui qui vient remporter sa 10e victoire en carrière à Sprinkler à Granby, Steve Poirier, qui l'emporte à Granby ce soir. Quel spectacle! En cas de toute fin, on est en train de se jouer la 3e place et c'est Barney qui réussit à passer. Jason Barney vient voler le podium à Alex Vigneault dans le dernier virage. Aïe, 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 Vigneault s'est fait piéger dans le trafic. Wow! Tanner termine deuxième et Barney, qu'on n'a pas vu de la course, a explosé en fin d'épreuve, a cherché la 3e marche du podium au départ d'Alex Vigneault. Quelle fin de course!